Good morgen, allez, yiden les sous aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, It Claude Israël Ben Fortune Mazal, Dani Myriam Bat Elisa Sayak, Michou Michel, Esther Bat Arlette Maïssa, et Moshe Ben Eneo, Vanish, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah pour la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Yuma, Perekret, Mishnah, Hey, Ubara She Hericha, Machelinota Ad Shetashiv Nafsha, Chole, Machelinoto Ad Alpi Bekiin, Yemenshan Bekiin, On continue depuis le début du chapitre les halakhot du jeûne de Kippour, parce que jusqu'à la fin du Perek Zayin, on s'occupait de la voda, le rituel de Yom Kippour Bet Hamikdash. Depuis le Perek Zayin, on a débuté la halakha du tsom, du jeûne proprement dit, qui concerne tout le monde cette fois-ci, par rapport à la voda du Bet Hamikdash qui était spécifique au Kohen Gadol. Et là, la Mishnah m'enseigne, Ubara Sheericha, s'il y a une femme enceinte, mais Uberet, Ubara, Sheericha, qui a senti un aliment. Or, une femme qui a une envie, la Gemara rapporte que c'est dangereux pour elle, c'est dangereux pour le petit, c'est pas juste que ça a des tâches, la Gemara ne parle pas des fameuses tâches des envies, mais plutôt elle parle d'un réel danger si c'est une envie qu'elle ne réussit pas à s'en passer. Au point où la Gemara elle propose entre parenthèses quelques solutions. D'abord, on apporte l'aliment, on lui fait sentir, on lui pose sous la langue, on lui rapproche des lèvres. Si elle veut réellement, elle sent qu'elle n'en peut plus, qu'elle a besoin de le manger, alors on lui laissera manger à Yom Kippour, et même quelque chose d'interdit aussi, on pourra lui laisser manger. Si on arrivait, si on a fait tout ce procédé, et qu'elle continue à désirer ardemment. Et donc, en tout cas, Ubara Shericha, une femme enceinte qui a senti et qui désire et qui n'en peut plus, entre parenthèses aussi, la Gemara précise que l'enfant qui sortira d'une histoire pareille, ce sera un mauvais enfant, ce qui l'inquiétera anormal, incontrôlable. Et la Mishnah me dit en tout cas, « Ma'achilin ota ad shetavshiv nafsha » On lui donnera à manger jusqu'à que « tashiv nafsha » littéralement qu'elle va restituer sa vie. C'est-à-dire qu'elle va se calmer en deux mots. D'accord ? Elle va se calmer, elle va s'apaiser. Jusqu'à qu'elle s'apaise, c'est le bon terme. Ok, donc elle a envie, on lui donne, jusqu'à qu'elle estime que ça y est, ça se calme. Autre principe, choler un homme malade qui est en danger, s'il continue à jeûner, eh bien, ma'achelinoto alpi bekin. Alors la Mishnah, elle m'enseigne comme ça. D'abord, on va traduire, après on va distinguer deux cas. On va lui donner à manger en se fondant sur des bekins, sur des experts. On va donner une expertise à un docteur. Vimensham bekim, et s'il n'y a pas d'expert. Alors, ma'achelinoto alpi atzmo, on lui donnera à manger selon ce qu'il estime, selon lui-même, alpi atzmo, selon ce qu'il estime, ad sheyomar dai, jusqu'à qu'il dise, ça suffit. Soit, en fait, la Gemara explique, le Bartholomew rapporte que deux cas de figure. Le cas où lui, il pense qu'il n'a pas besoin de manger, mais les médecins lui disent, si tu ne manges pas, tu vas tomber malade, on l'oblige à manger selon les bekim. C'est ça ce que veut dire ma'achelinoto alpi bekim. On lui donnera selon les experts, ils estiment qu'il est obligé de manger, de devoir manger. C'est la question qui s'est posée avec la corona l'année dernière, il y en a qui supportent bien, mais s'il y a des médecins qui ont dit que qu'il est obligé de boire tous les X temps, de boire un peu d'eau, parce que sinon ça peut avoir des conséquences, même s'il se sent très bien, il sera obligé de boire selon la quantité. A priori, toujours, on préférera boire des petites quantités toutes les 10 minutes, plutôt que de boire une fois une grosse quantité, de transgresser franchement l'interdit de la Torah de carrette. Malgré tout, en tout cas, donc, on donnera à manger. Ok? Ça, c'est si des experts qui disent, alors que lui, il estime qu'il n'a pas besoin, on lui donnera malgré tout. Mais il y a aussi le cas inverse. Vimensham Mekim, s'il n'y a pas des experts, mais mieux que ça, la Gemara l'explique, c'est que les experts ne sont pas d'accord. Il y a des experts qui disent qu'il n'a pas besoin de manger. Et lui, il sent, il ressent le besoin de manger, il dit, si je ne mange pas, je sens que je vais mourir. Il est sûr de son coup, il se sent persuadé. Et même, il y a des experts, donc des médecins professionnels qui disent, il n'y a aucun problème, tu peux. Eh bien, si lui, il a le sentiment qu'il faut, ma'achelinoto alpiatmo, on le donnera à manger alpiatmo, selon son estimation, ad sheyomardai, jusqu'à qu'il dise, ça suffit, j'estime que là, c'est bon, je suis plus en danger. D'accord? Chacun, il a la capacité de juger sur soi. Ça ne signifie pas de tromper ni les hommes, ni le bon Dieu, bien évidemment. Il estime que, s'il ne mange pas, il va s'effondrer, eh bien, on lui permettra de manger. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.